ce produit qu'on appelle le souffleur autonome, qui est un produit suisse et avec l'exclusivité France de la société Gattegno, est un produit qui est utilisé sans compresseur. Donc l'avantage de celui-ci, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Gain également au niveau des véhicules, parce que qui dit compresseur dit véhicule nécessitant un attelage pour amener un véhicule sur un chantier. Donc là, il y a juste besoin d'un groupe électrogène pour pouvoir brancher ce pistolet. Avant d'utiliser donc ces appareils-là, donc des pistolets avec des furets, donc ça nécessitait d'avoir un compresseur. Donc ça marchait à air comprimé. Donc ça s'ouvre quand même à 5-7 bars, donc c'est assez dangereux au niveau de la réception et même au niveau de l'envoi. Nous avons investi dans ce matériel depuis le mois de septembre, suite à un accident de travail que nous avons eu avec arrêt, un accident assez grave, avec l'utilisation d'un compresseur. Le projectile est venu heurter la main du salarié. Et donc il y a eu 7 mois d'arrêt de travail quand même. D'où la décision d'investir, enfin de rechercher tout d'abord une autre méthode d'aiguillage. Donc on a la bobine, on a un obturateur qui est ici, on enfile dedans. Après, ça en fait c'est un calibre, on peut appeler ça un calibre. C'est pour éviter que l'air s'échappe du fourreau quand on va mettre le pistolet. Donc, je vais attacher mon furet à mon aiguille. Et je vais mettre mon furet dans le fourreau. L'avantage de ce pistolet également, c'est qu'il y a un seul pistolet, alors qu'avant il nécessitait plusieurs pistolets par rapport aux différents diamètres de fourreau à aiguiller. Donc là vous avez un seul pistolet qui peut aiguiller des diamètres 25-28 jusqu'au diamètre 200. Un gain de place avec la mallette est fournie différents types de furets, du filin. Vous pouvez aiguiller à la fois des fourreaux télécom, comme on l'a vu sur ce chantier avec la société Sorapel. Vous pouvez également aiguiller des gaines ICT, annelées, en intérieur dans des maisons. Vous pouvez aiguiller des PEHD et vous pouvez aiguiller tout autre fourreau jusqu'à des diamètres 200. Et il y a également un système de parachute, comme vous voyez ici. Alors qui permet d'aiguiller des fourreaux qui sont déjà occupés par des câbles ou des fourreaux qui sont écrasés. Donc on peut travailler dans tout type de topologie de terrain.